I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. Hello, how are you? Hi. Ça va, calme-toi, c'est juste moi. Je ne fais que mon boulot. Nora, je pourrais t'aider peut-être ? Bah je sais pas, t'as des mains ? Bah non, j'ai pas besoin d'aide. C'est bon, t'es branché là? Ce message s'adresse à toutes les femmes et à tous ceux qui n'ont pas perdu espoir. Le gouvernement vous ment. Il vous ment sur ce que vous voyez, sur vos vies, sur vos écrans et dans vos livres. Le système n'a pas toujours été ainsi. Avant, nous étions plus libres. Mais les hommes ont voulu garder le contrôle. Et nous voilà ici, maintenant, à communiquer avec des moyens de l'âge de pierre. Ce n'est pas très sympathique pour mes amis de la communication. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui combattait le mal dans toute sa splendeur. Le mal ou le mal ? À cheval entre les 20e et 21e siècles, une héroïne de série a renversé les stéréotypes de genre. Elle s'appelait Buffy, c'était une lycéenne qui débarquait dans une nouvelle ville, un nouvel établissement, avec une mission particulière puisque son rôle c'était buter les démons et les vampires pour sauver le monde des forces du mal. Ce qui était inédit à l'époque, en fait, c'est que toutes les filles, les adolescentes, ont pu voir une autre fille de leur âge, en plus une petite blonde avec des robes à fleurs et des cachemires pastels, mais qui était hyper puissante. I see you. Buffy, c'est l'anti-demoiselle en détresse. C'est pas les hommes qui la sauvent, c'est elle qui sauve les hommes. Elle avait de la force physique, elle était maligne, elle se laissait surtout jamais marcher sur les pieds, et comme les vampires ont une fâcheuse tendance à attraper des coups de soleil, bah elle traînait dans les ruelles sombres la nuit pour nettoyer un petit peu du démon. Et rien que le fait de traîner dans une ruelle sombre la nuit quand on est une femme, c'est se réapproprier un espace qui est pourtant public, mais dont on dit aux femmes qu'elles devraient se méfier, qu'elles devraient avoir peur. Mais avec Buffy, la peur, elle changeait de côté. Dans la série, on apprend très vite que c'est un conseil composé exclusivement d'hommes qui désigne depuis la nuit des temps, sans lui demander son avis, une jeune femme surnommée la tueuse pour devenir leur outil de défense contre le mal. Et au bout de 7 saisons
passer à souffrir de cette tâche qu'on lui impose, Buffy va finir par tirer une conclusion qui est « Le pouvoir doit être pris sans demander la permission. » Mais n'est-ce pas une autre forme de dictature ? Bah justement, non. Ce pouvoir patriarcal qui soumet les tueuses depuis des siècles, qui les met en danger, il les isole de leur famille, de leurs amis, des autres tueuses aussi, puisqu'il les met en concurrence les unes contre les autres. Mais Buffy, bah, elle veut plus être seule à porter ce fardeau de l'humanité entière sur ses épaules. Elle sait que son genre fait à la fois sa faiblesse dans une société où les hommes dominent et où tous les démons misogynes ne cessent de la rabaisser parce que c'est une femme, mais son genre fait aussi sa force parce que les tueuses sont uniquement des femmes. Elle sait qu'à défaut de renverser le conseil, elle peut au moins changer certaines règles. Mais Buffy, elle sait surtout que l'émancipation d'une seule femme ne profite pas aux autres et qu'aucune révolution n'est possible sans solidarité. En fait, les hommes nous ont divisés pour mieux régner et continuer de décider à notre place. Bah, rassemblons-nous et prenons notre destin en main. Alors Buffy décide d'activer toutes les potentielles, toutes des jeunes femmes choisies par le conseil pour succéder à la tueuse et dont les pouvoirs n'auraient dû être révélés qu'à la mort de cette dernière. Qu'est-ce que ça change ? Elle continue de réaliser la prophétie du conseil ? Oui, mais selon ses propres conditions, selon ses propres termes, et ça change tout. Ce que signifie ce geste de transgression, c'est que le salut des femmes passe par l'empouvoirment et la sororité. Il nous dit que nous, les femmes du monde entier, la moitié de la population, ben on peut décider d'activer notre potentiel nous aussi. En fait, Buffy, c'est l'icône de l'héroïsme à portée de toutes les femmes. Elle nous dit que le pouvoir des femmes existe. Évidemment, le pouvoir des femmes existe, mais il faut s'en servir. Mais il n'est rien. Il n'est rien s'il n'est pas partagé entre toutes les femmes. Every girl in the world who might be a slayer will be a slayer. Every girl who could have the power will have the power. Can stand up, will stand up. Tu peux couper. Nora ? Mmh. Plus personne n'utilise cet outil de l'ancien temps aujourd'hui. Oui, bah justement, ce sera intraçable comme ça. La permission. Allons bon, de mieux en mieux. Mais Buffy, bah elle veut plus être seule à porter ce fardeau de l'humanité entière sur ses épaules. Faut-il encore qu'elle puisse soulever quelque chose de lourd ? En fait, les hommes nous ont divisés pour mieux régner et continuer de décider à notre place. Bah, rassemblons-nous et prenons notre destin en main. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Monsieur ? Oui, c'est bien ce que je craignais. Nous avons affaire à un contenu de niveau 4. C'est une menace terroriste très claire qui vise à corrompre les esprits les plus crédules, notamment ceux des femmes. L'info est fiable à 100%, K ? Oui, mon commandant. Dans ce cas, lancez les traceurs. Bien, mon commandant. Thank you.
Sport maintenant. L'équipe nationale de MMA football remporte les championnats du monde et triomphe dans les rues de Berlin. Notre pays peut être fier car nos valeurs ont été mises en avant durant toute la compétition. À ce titre, nous rappelons à nos concitoyens que la pratique de ce sport reste interdite aux femmes, et ce, dans un souci de sécurité et d'intégrité physique. Sans transition, soulignons la belle performance des forces de défense de la patrie après l'interpellation de deux traîtresses sanguinaires. Elles ne pourront désormais plus tuer nos enfants puisqu'elles ont été exécutées ce matin sur la place Donald Trump. Encore une victoire de notre formidable nation sur le terrorisme. Patrie, patriarcat, procréation, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous demanderai un jour de m'y conduire, peut-être. Menteuse ! Je le regarderai bien, ce film. Il a l'air sympa. Éteins-moi ça. On peut plus rien regarder. Fox, Rec. Si comme moi vous venez de voir le bulletin de ces salauds, vous savez que c'est un tissu de mensonges. Encore un. Elles avaient des prénoms. Anna, Marie. Elles avaient des amis. De la famille aussi. Elles se battaient pour notre liberté. Pour la vôtre. C'était des Amazones. Pas des traîtresses. Vous savez quel était leur grand combat ? Permettre à des femmes d'avorter. En toute illégalité, hein, bien sûr. On crève pour leur donner des héritiers. Et on les appelle des terroristes. Elles, des terroristes. Ça me fait penser à une femme scientifique dans la fiction. Une femme aussi brillante que libre, qui a inspiré des générations entières de jeunes filles. Et je vais vous en parler. À une époque, quand on voyait dans les séries télé un duo homme-femme, l'homme était blasé, misanthrope, mais super compétent. Et la femme était maternelle, douce et pas super douée, plutôt un genre de faire-valoir pour son partenaire. Et puis une série a bousculé cette dynamique, X-Files. On suivait deux agents du FBI sur le terrain, Fox Mulder et Dana Scully. Fox Mulder, c'était un type plutôt sympa, persuadé que les extraterrestres avaient enlevé sa sœur et qui croyait à toutes sortes de choses surnaturelles. Et Dana Scully, elle, c'est une femme dans un monde d'hommes, le FBI. Mais c'est surtout une scientifique parmi des complotistes. Pas du genre faire-valoir, demoiselle en détresse qu'il faut sauver à chaque épisode. Scully, c'est une femme de réflexion, autant qu'une femme d'action, qui course les suspects et qui manipule des organes à longueur de saison. Mais Scully, c'est aussi une fervente catholique. Elle croit en quelque chose finalement surnaturel, d'irrationnel, comme Mulder. Et d'ailleurs, la série a beau tourner autour de lui, autour de Mulder, l'élément le plus intéressant dans X-Files, c'est l'évolution de Scully. Comment elle gère le doute, les contradictions, et comment elle va finir par croire, en fait, comme Mulder. Mulder, this is amazing. La contradiction, c'est sa raison d'être à Scully. C'est ça qui fait tout le sel de sa relation avec Mulder. Ça et l'opposition inattendue entre les deux personnages qui renversent les stéréotypes de genre. D'un côté, on a Mulder dans l'émotion, dans l'intuition, qui sont quand même des caractéristiques soi-disant féminines. Et de l'autre, Scully, qui est dans la réflexion, dans la conviction des qualités qu'on attribue quand même plus souvent aux hommes. Sur cette question de la représentation, Scully a d'ailleurs eu un apport incroyable. C'était considérable. En fait, elle a montré à des générations entières de jeunes filles une femme intelligente, déterminée, passionnée par son métier, comme quelque chose de positif, comme quelqu'un qui était respecté par ses collègues masculins. Du coup, son personnage a eu un impact concret, mais un truc chiffré. On l'a appelé l'effet Scully. On a montré en fait que des jeunes femmes se sont engagées dans des filières scientifiques grâce à elle, en la voyant à l'écran. Scully, elle est déterminée à prouver qu'elle a raison, ou en tout cas, à prouver que son avis compte. Elle a des opinions, elle s'en excuse pas et elle compense pas avec des tenues sexy par exemple, faire un peu passer la pilule. Mais quand on regarde bien, on a l'impression, dans cette série, que les hommes cherchent en quelque sorte à se venger ou à punir cette détermination. Scully devient à plusieurs reprises leur cobaye, il l'enlève pour des expériences qui provoqueront notamment un cancer. Il l'insémine même de force.
C'est comme un rappel que dans nos sociétés patriarcales, le corps des femmes doit appartenir aux hommes. Aux hommes politiques ou aux hommes de science qui décident de ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. C'est une véritable double peine pour elle, dis donc. Ouais. Ouais, t'as raison. En fait, Scully, elle paye de son corps pour avoir osé transgresser les stéréotypes de genre et pour avoir voulu se mettre à hauteur d'homme, en fait. Espérons que notre pigeon voyageur ne se fasse pas attraper. Eh ben, on passera aux avions en papier la prochaine fois. Je piraterai tous les systèmes de communication pour faire entendre ta voix. Commence par réparer l'alarme, d'accord ? Réflexion, dans la conviction des qualités qu'on attribue quand même plus souvent aux hommes. Encore heureux. Elle a des opinions, elle s'en excuse pas et elle compense pas avec des tenues sexy par exemple, faire un peu passer la pilule. Mais quand c'est bien dommage, on aurait trouvé ça plus agréable. Mon commandant, les traceurs sont en place. Bien, parfait. Oui. Les vidéos de cette terroriste. Tout porte à croire qu'elles ont été enregistrées avec une caméra Sony HE8 Handycam. Très peu de personnes peuvent se procurer un matériel aussi ancien. Seuls les... Les Amazones. Réduisez le périmètre de recherche autour de la vieille ville. Très bien, mon commandant. Elles sont faites comme des rats. Et là aussi, les checkpoints empêchent l'approvisionnement de la population. Et la contrebande est devenue quasi impossible. Autant dire qu'ils sont partout. Ah bah ça tombe bien, parce que je me sentais un petit peu seule, tu vois. Merci pour moi. Ah, ça commence. Le jour J approche à grands pas. Nul besoin de vous rappeler l'importance de cette journée pour notre nation. La moisson de la fertilité est l'opportunité rêvée pour des millions de nos concitoyennes de servir les leaders de la patrie. Encore faut-il être fertile pour cela. Bonne chance à toutes. Sans transition, je vous rappelle que les FDP offrent une généreuse récompense pour toute information permettant la capture des traîtresses terroristes et de leurs complices, les lâches anonymes. À cette occasion, le programme de collaboration est ouvert pour la première fois à nos concitoyennes loyales et déterminées. Patrie, patriarcat, procréation. Fox, Rec. Eh oui, encore moi. Sachez que si vous regardez mon bulletin, vous n'êtes pas seul. Nos amis des FDP sont des spectateurs assidus et je crois bien qu'ils veulent une rencontre privée, sûrement pour une photo souvenir. Sans transition, je vous rappelle qu'ici, nous parlons de femmes iconiques. Celle d'aujourd'hui est une femme libérée, drôle et intelligente qui multiplie les amants et parle frontalement de cunnilingus à l'écran. Un personnage qui se conforme pas à ce que la société attend d'une femme. Je vous présente Hélène Bénès. Qu'est-ce qui différencie un personnage féminin d'un personnage masculin ? Je veux dire, au-delà des apparences, plutôt quand on l'écrit pour une série ou pour un film. En 1989, Larry David et Jerry Seinfeld, deux comédiens humoristes américains, ont proposé une sitcom à la chaîne NBC qui s'appelait Seinfeld. Ça se passait à New York et ça racontait le quotidien de trois hommes, Jerry, son meilleur ami George et son voisin de palier, Kramer. NBC aimait bien l'idée
mais trouvait la série trop masculine. Donc la chaîne a posé une condition à son achat, ajouter un rôle féminin. Donc Jerry et Larry ont créé le personnage de Hélène Bennes, qui au départ devait être la petite amie d'un des personnages. Finalement, elle est devenue l'ex de Jerry pour ajouter un peu de tension sexuelle, mais pas trop. On n'est pas dans X-Files avec un classique, comme on dit, « will they, won't they », donc est-ce qu'ils vont se choper ou pas, entre Mulder et Scully, puisque Jerry et Hélène, bah, ils l'ont déjà fait. Et puis à l'époque, il n'y avait quasi aucune scénariste femme dans les writers' rooms des séries, et paradoxalement, en fait, c'est peut-être pour ça qu'Hélène est un personnage féminin si moderne pour les années 90. Elle faisait partie du groupe autant que Jerry, George et Kramer, donc les scénaristes devaient la traiter comme eux, lui trouver des histoires aussi intéressantes, la rendre aussi drôle, détestable ou amorale que ses potes. Donc ils ont bien été obligés de créer avec Hélène un personnage hors des sentiers battus et très très loin des stéréotypes sexistes. Hélène, en somme, c'est pas la femme parmi trois hommes, c'est juste une personne. Elle prend autant de place que ses amis, elle parle fort, elle parle la bouche pleine, elle est très grande gueule, elle jure tout le temps, et puis l'actrice qui l'incarne a un jeu très physique, ce qui est rare pour une femme à l'écran. C'est aussi une femme très drôle, maligne, très intelligente et cultivée. C'est la seule des trois qui est diplômée d'une grande université, et c'est aussi la seule qui a une carrière stable. Hélène, c'est quelqu'un d'assez ingérable, très égoïste, très névrosée comme ses amis hommes. Pas du tout maternante, ni plus mûre, ni plus adulte que ses copains. En fait, Hélène, c'est juste un personnage féminin réaliste, à des lieux du cliché de la femme qui doit forcément être douce, discrète, inoffensive ou maternelle. Et elle n'est pas non plus là comme une antithèse des autres personnages, ou bien un faire-valoir, ou une femme fatale par exemple. D'ailleurs, une autre facette inédite de ce personnage dans les années 90, c'est que Hélène, elle est très, très désinhibée sexuellement. Mais sans pour autant être fétichisée, ou rendu ultra sexy et désirable par un regard masculin derrière la caméra ou dans les scénarios. C'est une jeune femme célibataire qui a beaucoup d'amants, qui parle ouvertement de contraception, d'orgasme, de masturbation, de cunnilingus, comme ses amis hommes. Elle parle aussi d'avortement et elle n'est pas stigmatisée pour ça parce qu'elle en parle en tant que femme. C'est donc cela qui la rend passionnante. Elle assume pleinement qui elle est et ce qu'elle fait, sans avoir à se justifier. Bah oui, c'est ça. En somme, je dirais qu'Hélène Bennes, c'est une véritable icône féministe parce que c'est une femme imparfaite qui n'est pas limitée par son genre. Pas la femme parmi trois hommes, c'est juste une personne. Elle prend autant de place que ses amis, elle parle fort, elle parle la bouche pleine, elle est très grande gueule, elle jure tout le temps, et puis l'actrice qui l'incarne a un jeu très physique, ce qui est rare pour une femme à l'écran. C'est aussi une femme très drôle, maligne, très intelligente et cultivée. C'est la seule des trois qui est diplômée d'une grande université, et c'est aussi la seule qui a une carrière stable. Voilà qui fait beaucoup pour une seule femme. Hélène, c'est juste un personnage féminin réaliste, à des lieux du cliché de la femme qui doit forcément être douce, discrète, inoffensive ou maternelle. Si seulement. Hélène, elle est très, très, très désinhibée sexuellement. Mais sans être fétichisée ni rendue ultra sexy ou désirable. Commandant, ça y est, on les a localisés. Enfin. Il était temps. J'envoie immédiatement une équipe d'intervention. Ils ne peuvent plus nous échapper. L'heure est venue d'exterminer ces nuisibles. Mais, agent K. Oui, mon commandant. Faites-moi plaisir. Gardez-en un en vie. Bien, mon commandant. Maintenant que vous avez cerné ces nuisibles, vous allez retirer vos troupes de la vieille ville. Mais, mon commandant, je pensais que... Je ne vous demande pas de penser. Je décide
et vous exécuter. Bien, mon commandant. L'assainissement de la vieille ville se poursuit. Les courageux agents des FDP ont ce matin procédé à une nouvelle extermination de nuisibles. Cette série d'interventions reste bien évidemment destinée à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Sans transition, après les attentats perpétrés par les traîtresses Amazones, la garde personnelle de notre guide suprême a décidé de renforcer ses effectifs. Si vous êtes un homme valeureux ayant servi 15 ans minimum dans un corps militaire, vous pouvez prétendre à intégrer cette prestigieuse unité d'élite. Pour conclure ce journal, ouvrons le carnet rose et félicitons nos 10 concitoyennes sélectionnées pour la moisson de la fertilité. Voilà qui devrait rendre jalouses des millions de femmes à travers le pays qui n'ont pas su saisir cette opportunité inestimable de servir notre nation. Patrie, patriarcat, procréation. Ça donne super envie tout ça. Fox, Rec. Je vais vous surprendre, mais une femme n'a pas besoin de procréer pour servir une nation. Aujourd'hui, on va se remémorer une des premières Amazones de fiction, une guerrière qui se bat pour le bien. Laissez-moi vous parler de Xena. Vous savez que notre gouvernement réprime brutalement toute autre sexualité que celle entre un homme et une femme. Mais si vous regardez cette vidéo, vous savez que nous ne sommes pas toutes hétérosexuelles. Pourtant, la fiction a pendant longtemps manqué de personnages queer, surtout féminins. Une des premières héroïnes de ce genre s'appelle Xena. C'est une ancienne chef de guerre qui veut racheter son passé violent et se bat désormais pour le bien, contre des démons, des guerriers, des dieux ou des déesses dans la Grèce antique et ailleurs. Xena a une amie, Gabrielle, qui est aussi son amante. Elles sont amoureuses, solidaires, prêtes à tout sacrifier, à mourir pour l'autre, mais elles sont pas en couple. Et Xena couche aussi avec des hommes. Xena et Gabrielle, en fait, elles se collent pas d'étiquettes. Elles ne sont définies ni ne se définissent par leur genre ou bien leur sexualité. Et c'est toute cette ambiguïté qui fait de Xena une série queer. Les deux femmes ne font jamais leur coming out parce que c'est inutile. Leur relation est ce qu'elle est, elles n'ont pas besoin de la définir pour la vivre. Il y a un risque que le téléspectateur ne le perçoive pas, non? Bien sûr, mais est-ce que c'est ça le plus important? Non. Fallait juste que cette relation existe. Donc pendant les premières saisons, les scénaristes ont dû être très subtils dans la relation Xena-Gabrielle pour pas se faire censurer. Du coup, si le sous-texte queer échappait au grand public, la communauté LGBTQI était pas dupe. Et quand les producteurs ont réalisé que les fans sur les premiers forums internet étaient à fond dans l'histoire d'amour Gabrielle-Xena, ils ont carrément renforcé cet aspect. Ce qui était hyper fort à l'époque, c'était de parvenir à conserver à la fois un public mainstream qui se doutait de rien, mais aussi un public de niche, de jeunes femmes et de jeunes hommes gays, lesbiennes, bisexuels ou queer. Xena a donc été un vrai modèle pour des millions de filles, d'adolescentes à travers le monde, parce que, on le dit jamais assez, la représentation c'est essentiel. En plus, Xena et Gabrielle, elles ont des amis, des alliés dans la série, des gens qui les aiment et qui les aident, et c'est important aussi de montrer des personnages queer qui sont pas nécessairement exclus ou marginaux. Et ça, à l'époque, ça résonnait énormément dans la communauté concernée. En tout cas, ce refus des étiquettes et des normes imposées par la société, on le retrouve aussi dans la personnalité de Xena. C'est une femme qui refuse de rester à la place assignée par le patriarcat. Elle le défie d'ailleurs en prenant la place des hommes, puisque c'est une guerrière, elle se bat, elle est aussi forte que les hommes et elle tue aussi. Ça me fait penser à une phrase de Simone de Beauvoir, qui était une grande féministe du milieu du XXe siècle. Elle a écrit « Ce n'est pas en donnant la vie, c'est en risquant sa vie que l'homme s'élève au-dessus de l'animal. C'est pourquoi dans l'humanité, la supériorité est accordée non au sexe qui engendre, mais à celui qui tue. » Et donc, une femme qui tue atteint l'égalité avec un homme car elle atteint ce stade supérieur? Oui, en quelque sorte, malheureusement. Xena, elle refuse d'être réduite uniquement à un rôle de mère. D'ailleurs, elle le rejette complètement parce qu'elle abandonne son fils Solan qui sera tué. Et elle refuse d'être passive, elle s'impose comme un sujet agissant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec son physique, qui correspond quand même au canon de beauté féminin contemporain, elle est mince, blanche, elle a une grosse poitrine, des cheveux longs, on nous montrait quand même qu'une femme queer et guerrière n'était pas nécessairement plus masculine physiquement qu'une femme hétérosexuelle.
Xenal questionne donc l'idée d'une virilité qui serait uniquement masculine et montre que le genre n'est pas défini par des attributs ou des critères subjectifs qui construisent une opposition binaire entre les hommes et les femmes. En tout cas, ce refus des étiquettes et des normes imposées par la Tiens société, donc. On le retrouve aussi dans la Bonjour, les Amazones. Personnalité de Xena. C'est une femme qui refuse de rester à la place assignée par le patriarcat. Elle le défie d'ailleurs en prenant la place des hommes, puisque c'est une guerrière, elle se bat... Elle Vous savez, tant qu'on ne récupère pas votre place en cuisine, nous, ça nous va. Impeccable. C'est pourquoi dans l'humanité, la supériorité est accordée non au sexe qui engendre, mais à celui qui tue. Évidemment. Xena, elle refuse d'être réduite uniquement à un rôle de mère. D'ailleurs, mais qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'on va se laisser faire? Jamais! Vous m'entendez? Jamais! Oh, je vais appeler le commandant. C'est quand même qu'une femme queer et guerrière n'était pas nécessairement plus masculine physiquement qu'une... Bonne nuit, Fox. Bonne nuit, Nora. Fais de beaux rêves de liberté. Restons dignes, messieurs. Restons dignes. Vous me garderez celui-là en vie. Commandant, j'ai un cadeau pour vous. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on se reprend, hein? Alors, où en étions-nous déjà? Ah oui, votre identité. Évidemment, pourquoi me donner une information que je connais déjà? Futile, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qui n'aime vraiment pas perdre son temps? Oh, n'ayez crainte. Il vous estime déjà beaucoup. Le commandant sait reconnaître la valeur de chacun. D'ailleurs, je crois savoir qu'il vous trouve très à son goût.
Fox ? Oui, Nora ? Éteins-moi ça. Avant, nous, les femmes, étions libres. Enfin, plus ou moins. On était plus libres qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et c'est pas compliqué. Mais les hommes nous faisaient tout de même payer cher cette liberté. L'insoumission, c'est le thème principal du film Thelma et Louise. L'histoire, c'est deux amies qui décident de partir en week-end. L'une est plutôt naïve et malheureuse en ménage avec un type affreux, c'est Thelma. Et l'autre, Louise, est du genre badass. Elle fréquente un homme, mais elle a pas très envie de se marier avec lui. Et très vite, au début du film, ça tourne très très mal puisqu'un homme essaye de violer Thelma sur un parking. Louise le voit et elle le tue. Elle convainc Thelma de ne pas appeler la police parce que de toute façon personne ne va les croire, parce que Thelma a dansé avec son agresseur et que la police et la justice sont sexistes. Alors leur road trip se transforme en cavale. À l'époque, beaucoup de critiques masculins ont crié à la misandrie et à l'apologie de la violence. Tout à coup, les mêmes qui encensaient Scorsese, Tarantino ou Oliver Stone ont trouvé insupportable un film « Ce sont les femmes qui sont violentes ». Ce qui est subversif déjà dans Thelma et Louise, c'est que si Louise avait été un homme, ben ça aurait gêné personne qu'elle tue le gars qui s'apprêtait à violer sa copine. C'est l'éternel double standard. La violence est une prérogative masculine. En tout cas, c'est cet acte ultime de domination des hommes sur les femmes, le viol, qui fait basculer Thelma et Louise. Tout au long du film, elles vont croiser de sacrés connards, je sais pas comment le dire autrement, des types misogynes ou profiteurs, et tout au long du film, on voit Thelma et Louise évoluer pour reprendre le contrôle de leur vie. En s'affranchissant, elles découvrent à la fois leur potentiel sexuel, leur force physique, leur talent à la gâchette par exemple. Seules, libérées de la performance de genre, elles sont de moins en moins féminines dans leur manière de s'habiller. Elles se maquillent plus, elles adoptent des attitudes et puis des postures viriles. En fait, loin des hommes, en désobéissant à la loi et aux règles de la société, elles sont redevenues elles-mêmes. Une fois qu'on s'est libérée, on ne peut plus revenir en arrière. Thelma dit même dans une scène qu'elle ne supporterait pas. En fait, ça devient la liberté ou la mort. Elle dit aussi à Louise cette phrase. I feel awake. Good. Wide awake. I don't remember ever feeling this awake. You know what I mean? Everything looks different. You feel like that too? Like you got something to look forward to? Mais elles savent toutes les deux que la police va bientôt les rattraper et qu'elles seront punies. Et la fin de Thelma et Louise est tragique, puisqu'elles décident d'en finir avec ce système patriarcal et traumatisant en se suicidant. Elles foncent dans un canyon, main dans la main, souriantes. Un geste libérateur pour elles qui semble dire « Nous ne serons plus des victimes de l'oppression masculine ». En fait, Thelma et Louise, elles auront doublement transgressé la justice sexiste des hommes, d'abord en se faisant justice elles-mêmes, et ensuite en choisissant elles-mêmes leur fin. Une fin tragique, donc, comme si ces femmes libres ne pouvaient pas exister dans notre monde. Ce bulletin sera collector, Nora. Jamais diffusé, mais très recherché. Ah, sympa, merci, c'est super réconfortant. Les FDP vont bien finir par se calmer. D'autres Anonymous sans sommeil vont s'organiser. Et là, le facteur aura de nouveaux colis. Attends. Tu peux zoomer dans l'image, là ? Très bien, nous vous attendons. Il est là. Il veut vous parler. Mmh.
quelque chose à nous dire ? C'est un événement unique que nous venons de vivre, chers téléspectateurs. Les forces de défense de la patrie ont fait preuve en direct d'un courage sans faille pour arracher des aveux capitaux à cette traîtresse anonyme. Nous sommes déjà impatients de vous retransmettre l'interpellation de cette propagandiste d'opérette. Patrie, patriarcat, procréation. Nora ? Nora ? Tu m'entends ? Je suis là. Je ne peux plus t'aider. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis parti. Je vois de merveilleux paysages. Non, tu restes avec moi, Fox. C'est terminé. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'en sortir. Fox. Adieu, Nora. Fox. Nora. Fox. Si vous visionnez ce bulletin, c'est que... Non. En fait, c'est pas possible. Ce serait un miracle. Bref. Je l'enregistre pour la postérité, hein. On sait jamais si un Deus Ex Machina me sort de là. En tout cas, je vais vous parler d'une femme qui est poursuivie par des hommes et des monstres et qui n'a pu compter que sur son courage pour s'en sortir. Les années 80 au cinéma, c'est 1980. C'est les années action hero. Les années Stallone, Schwarzenegger, Willis. Rien que des mecs avec des gros muscles qui se battent contre les méchants. Thanks for the advice. À l'aube de cette époque, une saga va jouer quitte ou double en choisissant pour personnage principal un action hero au féminin. Une femme résiliente, musclée et pour une fois pas hyper sexualisée. Elle s'appelle Ellen Ripley et c'est l'héroïne de la saga de science-fiction Alien. En vrai, c'était pas gagné. À l'origine, son personnage devait s'appeler Martin Robbie et être joué par un homme, mais le président du studio, la 20th Century Fox, le président du studio de l'époque a suggéré de prendre une femme pour que le film se démarque des autres films d'action de SF de l'époque comme Apocalypse Now, Rocky 3 ou encore Moonraker, sortis la même année que le premier Alien. D'ailleurs, le genre des personnages, tels qu'ils étaient écrits par les scénaristes du premier volet, n'était pas spécifié, donc ils pouvaient être joués autant par des femmes que par des hommes. Ripley, c'est donc un cas unique, c'est une héroïne d'action à part entière, c'est pas la sidekick d'un héros comme on voit d'habitude. Je pense à Veronica Roberts dans Universal Soldier ou Anne Lewis dans Robocop. D'ailleurs, face à la panique, c'est elle, Ellen Ripley, qui va prendre le pouvoir à bord du cargo spatial Nostromo, qui va donner les ordres et prendre les décisions. Ellen, elle est plus réfléchie que ses camarades masculins, à cause de qui tout part en vrille d'ailleurs. Mais dans le film suivant, ses supérieurs hiérarchiques, tous des hommes, ils la croient même pas. Parce qu'en fait, l'univers dans lequel Ripley évolue, c'est un univers très machiste et dominé par les hommes. Il est aussi très marqué par une thématique qui est la maternité. Et on insiste beaucoup sur cet aspect essentialisant, c'est-à-dire qui réduit une femme à son utérus. Ripley, c'est une mère qui a perdu sa fille, puis qui devient mère adoptive de Newt, une autre petite fille.
L'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau s'appelle Mother, Mère. Les aliens pondent dans leurs hôtes, et le premier à sortir, d'ailleurs, il explose le ventre d'un membre d'équipage. Chaque hôte devient donc une mère, en quelque sorte, et le vaisseau protecteur, le Nostromo, devient à la fois couveuse, utérus et mère aussi. D'ailleurs, ce vaisseau mère qui protégeait l'équipage dans l'espace, cet espace sécurisant, il devient monstrueux et se retourne contre eux. Dans les deux derniers volets de la saga Alien, les hommes prennent le pouvoir sur cette maternité. Ripley découvre qu'elle porte en elle une reine alien, une reine xénomorphe, que la compagnie pour laquelle elle travaille, qui s'appelle la compagnie, lui a inséminée. Et elle apprend que la compagnie cherche à inséminer des hôtes humains pour faire des aliens des armes militaires. Qu'est-ce qu'elle fait, Hélène ? À l'instar de ce qu'on attend des femmes dans nos sociétés, surtout des mères, elle se sacrifie pour sauver l'humanité en se jetant dans un incinérateur. Dans le dernier film de la saga, Ripley a été clonée et devient mi-humaine, mi-xénomorphe, donc la mère ultime. Et cette fois, c'est son bébé, en quelque sorte, qu'elle doit sacrifier dans une scène absolument déchirante. Ripley, c'est le produit de la deuxième vague féministe, qui commence aux États-Unis dans les années 60, grâce à qui énormément de femmes arrivent sur le marché du travail, à des postes à responsabilité ou qui entrent en politique. Ripley, c'est pas du tout un fantasme masculin, en tout cas, elle n'est pas écrite comme ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être son physique androgyne et sa personnalité qui font que les hommes comme les femmes s'identifient à elle. C'est ce qui la rend universelle en quelque sorte. Ripley, elle est humaine avant d'être une femme. D'ailleurs, à la fin de Aliens, le retour, Bishop lui dit « Nice job for a human », genre bien joué pour un humain et pas bien joué pour une femme. Et les scénaristes n'essayent pas non plus de compenser entre guillemets son courage ou sa force physique en faisant d'elle un personnage sympathique ou compatissant. Ripley, elle a pas de super pouvoir, c'est pas un cyborg, c'est pas non plus l'élu d'une prophétie. C'est une femme humaine qui a fait de son corps une arme, voire une machine, dans la scène avec l'exosquelette. Get away from her, you bitch! Et c'est super rare à la télé ou au cinéma de voir des femmes dotées d'une grande force physique via un manier à lance-flamme. Enfin, manier à lance-flamme ou un flingue, on les voit, mais en général c'est pour se moquer d'elles parce qu'elles savent pas trop comment le faire. Ripley, c'est donc la survivante. C'est la final woman, comme on appelle ça. C'est pas un des meilleurs personnages féminins de SF de tous les temps, c'est un des meilleurs personnages de SF, tout court.